Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester Maniac. Alors, c'est un roguelike en vue du dessus, dénué de tout sens moral. En fait, on va avoir un personnage qui craque complètement. Il y a un missile nucléaire qui doit arriver dans 30 minutes sur la ville. On sait pas pourquoi, et notre gars va partir complètement en sucette et faire un carnage, quoi. Alors, on a plusieurs personnages qu'on peut choisir. Là, c'est la démo, donc on a malheureusement que le Père Noël. Et en fait, quand je vous dis que c'est un roguelike, tout simplement... Alors, il y a des... boire des pina coladas avec les filles, c'est juste pour la déco, hein, réellement, voilà. Mais en gros, voilà, c'est un roguelike parce qu'à chaque fois que vous allez faire une partie, vous allez pouvoir acheter des nouveautés. Donc là, moi, j'ai déjà acheté le fusil à pompe de niveau 1, on va dire. Le sac avec les cadeaux, je viens de l'acheter, je sais pas ce que c'est. Les cadeaux de Noël, c'est du C4, hein, comme ça, au moins, ça va plus vite. J'ai ajouté un tout petit peu de vitesse à notre personnage et un peu de bouclier, après le reste c'est anecdotique quoi. Donc voilà, on va partir sur ça, nous on va se mettre les vols de voiture un petit peu plus grands et comme ça on fera un peu plus de score. Alors, on se retrouve directement en jeu et on va commencer tout de suite. Alors on va mettre des grands coups au corps à corps, on va pas gaspiller nos munitions au tout début. Le but c'est de tenir 29 minutes, en réalité la démo nous limite à 15 et on n'y arrivera pas à mon avis d'ailleurs. Alors on pourrait faire des trucs comme ça, histoire d'être sympa un peu avec les passants. Alors tout véhicule qui se retourne, je crois, explose au bout d'un moment. C'est valable pour la vôtre d'ailleurs au passage. Et le but, voilà, c'est de récupérer des thunes pour la run d'après. Alors là, on va faire quelques cadeaux. Ouh. Ah, ça y est, alors la police nous rejoint. On va commencer. Alors les infirmiers, tout le monde vous en veut dans le jeu, attention. Enfin, c'est bon, c'est peut-être un peu mérité, vous me direz, mais en gros, ils vont pas vous faire de cadeaux, les pompiers, tout le monde. Oh, 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 foutez-moi la paix. Casse-toi. C'était peut-être pas le truc le plus efficace. Tiens. Outrageous. Aïe. Ah, de la vie, ça fait plaisir. Alors, on peut prendre des véhicules, hein, bien évidemment. On devrait peut-être le faire, d'ailleurs. Un camion de pompiers, ça doit pas être mal, ça. Ouh, c'est fort. Et voilà, bon bah le but, hein, comme je vous l'avais dit, c'était de faire un carnage. Donc là, on va tourner un peu en rond, histoire de récupérer les goldes. Hop là. Et normalement aussi, on va pouvoir récupérer un petit peu des munitions. Bon, pour ça, il faudrait qu'il y ait des, voilà, des voitures de police. Hop. Et oui, ça fait clairement penser au carnage qu'on faisait à l'époque sur les GTA, les trucs comme ça, où on se laissait la manette ou le clavier et on se disait, bon allez, tu tiens le plus longtemps possible. Quoi. Bon bah, il y a un mec qui s'est dit, tiens, je vais en faire un jeu complet de ça. Pas de scénario, rien. Bon, pourquoi pas. Est-ce que je peux... Voilà, poser quelques petits cadeaux quand même. Ah, on a une étoile, ça va être un petit peu plus la fête. Alors notre camion est en train de prendre, bon, je pourrais tirer sur le gars qui nous shoot. Ce que j'essaie de faire, c'est de récupérer les munitions, ça se voit pas depuis tout à l'heure. Allez, enfin, c'est que ça tourne pas aussi ce machin. Ah. Merci, est-ce que je peux prendre l'ambulance, s'il vous plaît? S'il vous plaît, n'importe quoi, je veux bien n'importe quoi. Ah, m'écrase pas. Une sorte de cybertruck. Et... Alors, on est dans une sorte de Chinatown, apparemment. Ah, mais il y a des barrages, j'avais pas vu ça jusque-là. Oui, alors vous, c'était un peu gratuit. Sachant qu'ils ont osé mettre des poussettes. Ce que GTA n'a jamais fait, par contre. Hein. On comprend facilement pourquoi, d'ailleurs. Alors, notre véhicule n'est plus vraiment... Ah, elle va péter, voilà. Ça tombe bien, je voulais vous le montrer. Ah bah non, ah c'est bon. Ça s'est retourné. Est-ce qu'on peut passer vers là? Oui. On retrouve vraiment l'esprit de GTA, hein, dans le sens où voilà, il y a des petits passages qui se créent, etc. Hop, boum. Oula, oula, oula. Ça va exploser. Faut qu'on se casse, faut qu'on se casse. Ouh, ça fait mal. Par contre, on a plein de thunes. Alors là, la voiture dans le... C'est peut-être pas forcément la meilleure des idées. Casse-toi, casse-toi, je me sois. Ah, ça a pas pris la bonne. C'est pas grave, c'est pas grave, on s'en fout, on se casse. Vous voyez, quand je vous dis que les infirmiers ils vous en veulent, clairement quoi. Ah, on a plus de pneus. Comment on sort de ce quartier là? Ah. Zou.
Ouais, objectivement, les premières parties, elles sont extrêmement dures à tenir, parce que bah, au début, vous n'avez pas d'armes du tout. Là, nous, on a un fusil à pompe. Mais de base, on avait juste un coup de pied, quoi. Ça n'a pas explosé. Ah, ah. Ok, alors, pour une raison que j'ignore, les paquets cadeaux ne sont pas là. J'avais l'impression de ne plus avoir les commandes pendant quelques instants. C'est très étrange. Ouh. C'est mal fait. Ah, l'hélicoptère, il fait mal. Je prends la voiture, je me casse. Oui. Ça va loin ici. Alors, la flotte, c'est très bien parce que les PNJ sont débiles. Mais bon, faudrait pas que j'y tombe avant eux, quoi. Voilà, il y en a un déjà dessous. J'avais pas vu, il y avait un relief. Oh là là. Ah, je croyais que je pouvais partir. Boum. Ok, je crois qu'il faut que je sorte de ma voiture. Voilà, on n'en parle plus. Alors si quelqu'un avait un moyen de transport, ce serait sympa. Oh, ça fait mal. Hop là. Je suis vraiment dans un énorme cul-de-sac. Aïe 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 aïe. Bon, ça aura pas duré très longtemps cette partie. 5 étoiles, bon c'est pas mal quand même. C'est mieux que ce que j'avais fait à la précédente. Quoi. Donc pour vous montrer, voilà, on a gagné que 2006, hein, ce qui permet même pas d'acheter le niveau supérieur, mais bon, ça permet d'acheter des trucs. Oui, entre-temps, j'ai acheté un truc. J'ai refait mon intro. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je pense vous avoir montré l'esprit du jeu. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt.